Alors, bon samedi matin à tous. Merci d'être là, de plus en plus fidèles et nombreux. C'est le 7 août 2000. J'ai dit 7 août. Je suis un mois en retard. On est le 7 septembre 2019. 6h38 du Québec. Bon samedi à tous. Heureux de vous retrouver, de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Vous êtes là. Freedom News Network, c'est tu ici sais qu'on se retrouve sur Youtube pour comprendre ou essayer de comprendre le plus possible ce qui se passe sans l'endoctrinement et la manipulation. Et il y en a beaucoup. Les changements climatiques. Il y en a beaucoup qui m'envoient des messages, je dis, hey, tu sais pas de quoi tu parles, t'arrêtes pas de dire réchauffement climatique, réchauffement climatique. Euh, écoutez, portez attention. Changements climatiques cycliques qui n'ont rien à voir avec l'industrialisation. Je le dis combien de fois? Il y a des gens qui écoutent, mais ils ne portent pas attention. Donc, portez attention. Pendant ce temps-là, pendant le minimum solaire, le grand minimum solaire, il y a des choses intéressantes qui se passent, apparemment. Et j'en parle souvent, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques hein, qui sont depuis 3 à 4 ans, au moins de l'ordre de 19 à 20 Bien, apparemment, hein, je vous le dis souvent, ça nous donne des formations nuageuses. Et apparemment, ça nous donnerait aussi des cycles de croissance des plantes dans le présent minimum ou le grand minimum solaire, parce qu'on serait dans un grand minimum solaire. Voyez-vous, ça nous vient de Principia International, scientifique international que j'aime bien. Nous sommes. Déjà bien engagé dans un minimum solaire. C'est le minimum le plus profond depuis 100 ans. Et celui qui nous écrit ce petit billet-là, le docteur Joël Glass, nous dit que ce billet est basé sur des observations personnelles en Scandinavie, environ 250 000 au sud du cercle polaire arctique cet été. Il était là-bas puis a observé ce, les choses suivantes. Parmi les changements dans les nuages figurent les nouvelles zones massives couvertes de nuages nocturnes. Celles-ci ont une forte lueur bleue autour et parfois pendant et après le coucher du soleil et peuvent être vues maintenant dans le tiers nord des États-Unis et au Canada en raison du minimum solaire. Les facteurs minimaux contribuant au grand, euh, au, au grand euh, minimum solaire sont l'augmentation des rayons cosmiques galactiques qui modifient les, les formations nuageuses et le refroidissement de la haute atmosphère. La taille massive de la zone couverte par ces nuages est visible sur la photo satellite de la NASA en haut de l'article. On le voit ici. Les nuages nuciles sont formés de cristaux de glace et sont assez élevés dans l'atmosphère. Il existe plusieurs effets du grand ou d'un grand euh, minimum solaire sur les nuages. Par exemple, généralement, il en résulte des nuages de hauteur de base inférieure, en plus de l'augmentation de nuages noctilucants en altitude, et c'est vrai, j'ai remarqué, et vous remarquerez aussi, parce qu'on ne prend pas la peine de, de, de regarder le ciel assez souvent. Je, 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 je trouve que dans le, le, le citoyen contemporain ne prend pas assez de temps pour observer la nature, observer les arbres. Comme je l'ai dit souvent, là, je le répète, ça fait un bout de temps que je ne voulais pas euh, souligner, quand vous vous promenez euh, en voiture ou dans des régions... Euh, plus boisés, ou même dans nos villes où il y a beaucoup d'arbres. Regardez la quantité, la quantité d'arbres morts. C'est hallucinant. Et j'ai observé aussi, parce que je, moi j'aime ça vraiment me planter le nez au ciel, la, la, les, le nombre de fois où j'ai vu les nuages vraiment bas. Donc ça, ça coïncide un peu avec ce que ce monsieur, ce docteur-là nous dit. Donc on est des nuages qui sont très bas. Ces nuages de hauteur de base inférieure pourraient entraîner un refroidissement accru en plus de l'effet de refroidissement causé par une diminution de l'irradiation par le Soleil. En règle générale, les nuages se forment lorsque l'eau dans l'atmosphère se condense autour de petites particules appelées aérosols. Ces aérosols sont constitués de glace, de sel et de poussière présents dans l'atmosphère. L'augmentation ou l'effet de l'augmentation des rayons cosmiques galactiques dans un grand minimum solaire produit un niveau élevé de particules secondaires, des ions lorsque le rayonnement cosmique impacte les nuages. Ces ions, à leur tour, augmentent la taille des nuages et réduisent la hauteur de la base. Les rayons cosmiques sont en réalité des particules, pas des rayons, principalement des protons ainsi que des électrons et le noyau d'atomes d'hélium. Celles-ci se déplacent dans l'espace et ont un impact sur la Terre. Le niveau des rayons cosmiques augmente considérablement pendant un minimum solaire. Cela provient de la réduction des tâches solaires. Les tâches solaires créent un champ magnétique puissant Bloque et ralentit les rayons cosmiques. À l'heure actuelle, il n'y a pas de tâche solaire du tout. C'est comme je vous le disais, l'atmosphère la, la, du soleil est en affaiblissement aussi et c'est ce qui laisse passer beaucoup de ces, euh, de ces rayons. En ce qui concerne les changements sur Terre qui se produisent actuellement pendant le grand minimum solaire, les nuages ne sont pas les seules différences qui se produisent dans le présent euh, grand minimum solaire. Je suis seulement en mesure de faire ce rapport sur les forêts et leurs abords dans les latitudes centrales de la Scandinavie, parce que c'est là où se trouvait le monsieur cette année, le docteur. Cette année, les bouleaux de Scandinavie produisent en un an la quantité qui pourrait no normalement se produire en trois ou quatre ans. Les graines de bouleau, qui ressemblent à de minuscules avions, se sont entassées partout. Cet été, il a été possible de prendre une brouette et d'en remplir une tous les 20 mètres le long du chemin si l'on voulait nettoyer la zone de graines. Imaginez-vous, il y en a tellement qui disent que si on prenait une brouette, à tous les 20 mètres, on pourrait la remplir. Les arbres qui produisent des baies ont également une année exceptionnellement grande. Les baies orange-rouge-vif avec des graines à l'intérieur, d'arbres de type sorbus, tels que le White Mountain Ash, sont présentes en quantité énorme. Outre la production du grand nombre de graines, il existe également une croissance exceptionnelle rapide de jeunes arbres de toutes sortes, et c'est vrai, cette année, ça a été très lent. Hein? Ici, euh, au Québec, on a eu un printemps qui a été retardé euh, d'au moins. Euh, il a presque même pas été là. Hein? Tout a commencé euh, au milieu de juin, même presque juillet. Je suis allé voir des agriculteurs qui m'ont dit que tout a été retardé d'un mois cette année. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de framboises cette année. Il fallait aller les cueillir. Il y en avait en petite quantité. Il n'y en avait nulle part dans les supermarchés, des framboises locales québécoises. Mais j'ai remarqué que tous les arbres, puis ça, c'est une autre observation que j'ai faite, puis je, je vous, vous faites là la, la, la même. Mais moi, ça fait longtemps que j'observe, donc j'ai pu faire une comparaison. Les feuilles ont mis beaucoup de temps à venir, naturellement, les bourgeons. Mais il y a des, les arbres sont ont grandi d'une façon incroyable. Les feuilles, les arbres sont feuillus, les feuilles sont grosses. La mauvaise herbe pousse partout. Moi, j'ai jamais eu autant de plantes qui ont poussé que j'arrache, qui repousse, que j'arrache, qui repousse. C'est hallucinant. Vraiment hallucinant. Et les, euh, les noyés ont déjà commencé à laisser tomber euh, leurs noix autour de chez moi. Il y en a plein. Les fameux petits hélicoptères aussi qui tombent au printemps, bien, au début de l'été. Il y en a eu cette année comme je n'ai jamais vu. Donc ça, co ça, ça, euh, ça confirme ce que ce docteur-là nous raconte provenant de la zone où il était cet été. Lui, c'est... Euh, il nous a dit qu'il était en Scandinavie quelque part, hein? Tout, euh, tout, 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 J'essaie de retrouver où il nous a dit qu'il se trouvait. On va recommencer ça pour savoir où il était. Ah oui, en Scandinavie. Environ à 250 000 au sud du cercle polaire. Donc, c'est vraiment... Moi, même ici, je confirme euh, au Québec, puis je sais pas si vous avez... Vous pouvez faire le même genre d'observation ailleurs. Outre la grande production du nombre de graines, il existe également une croissance exceptionnelle, rapide, exceptionnellement rapide de jeunes arbres, de toutes sortes. Si nous souhaitons rechercher une raison possible à cette croissance rapide des arbres, ce serait en partie l'effet du doublement du rayonnement cosmique, galactique, dans le présent grand minimum solaire. Cela provoque une augmentation de l'azote dans le sol. Ça, ce serait son, son explication, lui. Et... C'est vraiment euh, solide. Pour donner un peu de crédibilité à ces observations sur la croissance des arbres et à certaines des autres obs observations, une étude britannique indique une corrélation directe entre la croissance des arbres et le niveau de rayons, des rayons cosmiques réalisée par l'Institute of Atmospheric and Environment, Environment, Environmental Science School of Geosciences. De l'Université d'Édimbourg. L'étude a révélé que la croissance des arbres était la plus forte pendant les périodes de faible activité des taches solaires, lorsque la plupart des rayons cosmiques atteignent la Terre. En d'autres termes, pendant les minimums solaires. Dans, dans, en d'autres termes, c'est pendant les minimums solaires que ça se produit, ça. Mais la croissance des arbres ralentit pendant les maximums solaires, entre 1965 et 2005. Le grand minimum solaire est ceci avec une augmentation des rayons cosmiques galactiques. En observant les effets du grand minimum solaire, il est de plus en plus évident que la météo sur Terre est contrôlée par le Soleil et non le CO2. Donc ça, c'est la fameuse euh, étude. Les euh, rayons cosmiques et les modèles de croissance des arbres sont liés. Voici une surprise. La croissance des arbres en Grande-Bretagne semble corrélée à l'intensité des rayons cosmiques les chercheurs de l'université d'édimbourg ont constaté que les arbres grandissaient plus rapidement lorsque des niveaux élevés de rayonnement cosmique arrivaient de l'espace cela peut également être corrélé, corrélé au champ magnétique interplanétaire qui tend à moduler les rayons cosmiques galactiques cette découverte donne de la crédibilité aux travaux de sven mark sur la corrélation de couverture entre le recouvrement des nuages et la couverture nuageuse en démontrant un autre effet tangible. Les chercheurs ont découvert comment des anneaux de croissance des épinettes ont changé au cours des 50 dernières années. Voici le principe fondamental. La variation des rayons cosmiques a davantage affecté la croissance des arbres que les changements de température ou de précipitation. Donc l'étude a été publiée dans la revue scientifique New uh, Phytologist. Nous avons étudié ici la variation interannuelle des cernes de croissance formées par les épinettes de Sitka dans le nord de la Grande-Bretagne sur la période de 1961 à 2005 afin de démêler l'influence des variables atmosphériques, différents, euh, euh, des variables di atmosphériques différents moments, à différents moments de l'année. À différents moments de l'année, pardon, des anneaux de croissance annuels mesurés le long du rayon nord des disques d'arbres fraîchement coupés ou congelés ont des données climatologiques enregistrées sur un site adjacent et ont été utilisées dans l'étude. Les corrélations étaient basées sur les coefficients de corrélation produit euh, moment de Pearson entre l'anomalie de croissance annuelle et ses facteurs climatiques et atmosphériques. Des corrélations plutôt faibles entre ces variables et la croissance ont été retrouvées. Cependant, il existait une relation cohérente, statistiquement significative, entre la croissance des arbres et la densité de flux du rayonnement cosmique galactique. En outre, il existait une périodicité sous-jacente de la croissance avec quatre minima depuis 61 ressemblant au cycle du rayonnement cosmique galactique. Donc vraiment, euh, c'est assez solide, je vous laisserai ça, vous irez lire ça, c'est intéressant, mais euh, voyez-vous, on dit que lorsque l'intensité des rayons cosmiques atteignait la surface de la Terre, où atteignant la surface de la Terre était plus élevé, le taux de croissance des arbres était plus rapide. Donc, vraiment, vraiment intéressant comme, euh, comme article. Je vous laisserai les deux dans la boîte de description. Vous pourrez aller voir ça vous-même. Parce que j'en avais déjà parlé, puis il y a un abonné qui m'avait demandé d'expliquer ça plus en profondeur. Donc, euh, c'est assez. ça semble être soutenu par des études euh, quand même assez. Euh, de sources assez solides. Je vous reviens.